si on arrive à voir. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, c'est que l'employé commence à faire une demande. Il fait sa demande. Après, il utilise le service de gestion d'hôtel. Bon, on ne peut pas descendre. Pour avoir une réservation d'hôtel, ils vont lui proposer une liste d'hôtels. Une fois qu'il reçoit la liste d'hôtels, il peut en choisir un. Ici, on a donc décidé que soit il n'est pas content avec le choix, il décide de changer sa requête pour avoir une autre liste de propositions, ou bien clairement, il n'y a rien qui lui plaît et puis il annule complètement son voyage, ou bien il décide, OK, j'ai trouvé l'hôtel qu'il me faut, je vais demander confirmation à mon boss, qui lui peut dire, ah non, 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 il faut changer l'hôtel, ou bien il dit, OK, c'est bon, ou il peut dire, non, non, ça ne va pas aller, fais pas le voyage. S'il dit, OK, ça va confirmer la réservation avec avec le système qui doit contacter l'agence et réserver. Et après, on entre dans ce sous-processus d'ajouter des expenses. Une fois que ça c'est terminé, qu'il revient de voyage, il doit faire valider ses expenses par le chef. Le chef peut dire non, là tu as rajouté quelque chose de trop, ou bien il te manque quelque chose. Puis finalement, une fois que c'est accepté, ça va chez la compta. Et puis ça se termine. Donc ça, c'était un choix possible.